Hey, salut à tous les petits potes, je suis désolé, mon dieu, incroyable. En fait, je croyais que j'avais appuyé sur démarrer l'enregistrement, et non, j'ai appuyé sur démarrer le stream sur OBS. Et du coup, bah forcément, je n'ai pas enregistré ce combat contre Travis, que j'ai littéralement ouvert en deux. Pour le moment. Donc voilà, je suis terriblement désolé pour tout ça. Et voilà. Donc là c'est bon, cette fois je lance. Parce que je voyais d'un coup un petit carré dans mon... Là. Parce qu'en gros, on voit ce qu'il y a ici. D'accord. Et en fait, j'ai vu sur mon deuxième écran que c'était un carré rouge. J'étais en mode, mais je suis pas en script, c'est bizarre. Et du coup, voilà. Mais ne vous en faites pas, il s'est rien passé d'incroyable. Enfin, juste que je lui ai mis la misère, quoi. Il se la pète, quoi. Rafale Psy, ok. Terriblement désolé. Yes, aïe, désolé. Du coup, allez, on va continuer avec Kuba. Ah, il tue super potion, ok. Stylé. Aïe, aïe, aïe. Allez, Kuba. Voilà. Rafale Psy, ok. Bute pas. Oh merde, Arrosar, fais chier. Il m'a quand même buté Arrosar, quoi. Ligne, on va tout jouer. Tu dois être plus rapide, je pense. Allez, go. Attaquer. Tranche nuit. Dis-moi que t'es plus rapide, dis-moi. Oui, c'est bon, t'es plus rapide. Je savais que j'avais bien fait de prendre ce Pokémon. Et non, ultra stylé au passage, hein, merci. Tu as été vaincu. Eh oui. Toutes mes excuses. Il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable, mais tout simplement pitoyable. Quoi qu'il en soit, tu es bien loin d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes, mais tu as bien mérité un... Aéreux. Tu m'excuseras, mais j'ai vu des étoiles vœux à collecter. Ciao. Allez, à plus, mon pote. Ciao. J'ai dit ciao, là, littéralement. J'ai vraiment dit ciao. Incroyable. Oh putain, y'a plein de sauf keep là. Je vais essayer d'en capturer. Ok, alors attendez, on va juste faire un truc, c'est sac. Parce que j'ai Arrosar Pusher qui est KO. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, super potion utilisée pour l'inéon. Et pour Arrosar du coup, enfin j'ai inversé mais vous m'avez compris. Et là, y'a une petite Pokéball par terre. C'est quoi? Immonde. Ils ont mis un immonde d'Alola. De Galar, incroyable. Froid Frimos. Ah mais du coup il est quoi? Bah oui forcément. Tire debout. Ouais il est sol. Il est sol électrique toujours. Oh. Froid Frimos n'a pas marché, ça m'étonnerait qu'Acide fonctionne. Donc équipe. Arrosar, on va voir. On va voir du coup, parce que là je dois avouer que je suis pas trop au courant, quoi. Tridosson. Incroyable l'immonde. On dirait un piège en fait, avec sa Pokéball et tout. Je tiens, il y a une Pokéball là, qu'est-ce que c'est? Vibre à quoi? Bah c'est un l'immonde. Ok, il est toujours seul donc du coup. Tridosson. C'est quoi, c'est la vitesse ça, non? Défense spéciale, ok, rien à voir. Écrase face. Parce que bon, si je leur attaque. Ok, non, pas du tout. Je vais essayer de le capturer. Et il ira pas dans l'équipe, hein, clairement pas. Juste le capturer parce que je le trouve incroyable. Je m'attendais pas du tout à avoir un Limonde en fait. C'est que je risque de... Non, yes, parfait. Stridosson, ouais, ok, bah forcément. X. Tu une Pokéball, ça devrait le faire. Vu les PV qu'il a, ça devrait le faire, logiquement. 1. 2. 3. Et non, il sort. Est-ce que l'immonde évoluait déjà? Je me souviens plus. Je crois pas qu'il évoluait en plus, hein. Je me souviens plus. Le serpent là, c'était pas lui sur le monde? Ouais, je crois que si, hein. Je crois que si.
Je suis en train de me perdre parce que la 5G c'est pas une génération que j'ai beaucoup joué. J'ai envoyé quoi là comme bol? C'est moi que j'ai envoyé une fibre au bol. Incroyable. Copain au nord. Ah voilà, super bol. Putain, génial. Je m'y attendais vraiment pas quoi, c'est incroyable. Quoi? Ah oui, c'est chou, hein, mec. Allez, cette fois on l'a. 1, 2, 3. Yes, on l'a capturé. Alors on va voir quel type il est. S'il est toujours haut, électrique. Non, mais avant il était au sol. Électrique. Non, il était électrique de sûr. Électrique haut peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je me souviens plus de ce Pokémon. Sol acier, d'accord. Non. C'était haut électrique, je pense, avant. Je pensais que c'était ça. Trouver Kabou. Ok. J'ai quoi comme first Pokémon? Ok. Ça va le faire. Mon Pokémon déborde d'énergie. Il ne tient pas. Bref, il veut se battre. Oui. C'est un Pokémon qui est seul. En fait, oui, je suis bête parce que je mets un Pokémon. Vagomine. Oh, trop mignon. Son visage est trop mignon. Je dirais qu'il a la tête d'un Grolem. Oh, il a un peu le carré d'un Grolem en fait. Stylé. Autant dire que je vais mourir, je pense, avec Beto. Ouais. C'est sûr même, il est seul. Pouvoir antique. Équipe. Rosa. Un rosa, utilise vibre à quoi? Allez. Hop, pouvoir antique à nouveau. Stylé. Putain, je trouve magnifique l'attaque. Franchement, elle est incroyable. Vibre à quoi? Go! Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. On va laisser à Rosa en fait. En first place. Ah bah oui, hein. Oh, parce que dans les mines en général on a sol, on a de quoi. Arrosar, déplacer. Hop, voilà. Sombre bol, ok. Je me suis encore fait avoir par l'immonde. Incroyable. Putain, c'est vraiment un Pokémon, je m'y attendais pas du tout. Ah ok, il a pas un truc piège ou quoi vu qu'il saute à la gueule quand même. Ok, donc là il y en a un autre aussi. Oh, oh trop bien. Il y a un... Il y a un genre sans coquille. Ah, Kellocroc. Incroyable. Ah Rosa, arrête de jouer. Mais on va pas te capturer ou quoi. Mais c'est cool de voir du coup qu'il y a autre chose que des Magikarp. Mais des Barloches. Comment il s'appelle? Tritosaur. C'est un des Pokémon préférés d'Anarchy. En plus. Pas envie de me battre contre toi, meuf. Acrogriffe. Ok. Putain. Oh mon dieu. Je me fais avoir à chaque fois. Mais vraiment à chaque fois, quoi. C'est incroyable. Ah, nos amis de la Team Skull. Pardon de te déranger, mais t'es bien challenger, non? Oh là là, c'est super impressionnant, tu voudrais bien nous accorder un petit combat? Ah, t'es là, Zampil. T'es qui, toi? On t'a pas sonné. Je m'appelle Nabil, et je suis le prochain maître. Non mais lol, quoi, on sait tous que c'est le prochain maître, c'est Rosemary. Quoi? Vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver? Vous allez le regretter. Allez, viens, Zampil, on va leur montrer. Yes. Tu me sonnes mes Pokémon avant, s'il te plaît? Non, tu vas me soigner après. C'est ça. Non, mais mes potes, là, vous explique comment la team Yel, là. On va vous déglinguer. Lignon. Ok. Bon. On va faire un truc. Je vais changer de Pokémon. Équipe. Falafel, à toi de jouer.
On va faire des taillades un peu partout. Tranche nuit. Aboiement, ouais, ça c'est pour les deux. Moi je m'en fous, ça me fait que dalle. Mais c'est cool. Allez, mon mouton utilise rugissement, c'est parfait pour eux deux. S'il me baisse mon attaque, je pleure. Par contre, il y en a marre quoi. Enfin, ça va. Taillade. 21 et 22, on va faire sur l'ignon. Pardon. Mon dieu, je vous ai mis un coup sur le micro, je suis désolé. L'attaque, ok, mon attaque baisse, c'est pas grave. Machination. Mon bouton utilise double pied. Voilà, il a compris. La musique est incroyable, je trouve, de la team miel. Incroyable. Allez. Tranche nuit. Oh yeah. Lui, il crit, lui, hein. Le bâtard. Ah, lui, par contre, va vraiment falloir lui mettre un stop. S'il a plus 4 en attaque spéciale, là, il va nous faire un aboiement, il va nous mettre trop cher, quoi. Double pied. Hop. L'ignore utilisé de sable, forcément c'est pour nous deux. Ah non. Ok, donc en fait, lui, son but, c'est de s'augmenter, nous one-shot, en fait, littéralement. Au cas où... On va se faire une taillade. Oh non. Oh, ça c'est chiant ça. Très chiant ça. C'est très 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 chiant. Ah yes, Falafel qui passe le 23. Beto 24. Linéon 24. Bleuzei 26. Temps d'espiègle, ok. Allez, taillade. Aboiement, aïe, ça va faire mal. Ah, ça va. Bon, enfin, la fêle est un peu KO, quoi, mais... un peu chiant, quoi. Super efficace, yes. Arrosar 27 et Hut 20. Yes. Balayette. Fait chier pour... pour notre petit pote. Ah, attendez. Moi j'ai juste une question. Un taux de fond ou de griffe dont la force augmente quand tu touches plusieurs fois d'affilée. Ok. Ok. On va jouer. Bleuzei. En avant, Bleuzei. Pas d'autres Pokémon qui ont des attaques insectes et tout, c'est un peu chiant. Ah bah, un combo de Bleuzei. Non mais il est meilleur. Rugissement, très bien. Allez, Picor. Tu peux faire pareil s'il te plaît. Parfait, et sur le même personnage. Yes. Bah tu vois, quand tu veux, tu peux. Incroyable. Allez, Picor. Sur Léopardus. Combo griffe. Eh ouais. J'ai pas dit que c'était efficace. Juste qu'il faut faire des dégâts. Allez, parti. Combo griffe. Il est pas moche comme Pokémon Léopardus. Hein. Je l'aime bien dans cette version. Et yes. Toi là, t'es le petit frère jumain, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Il y a des frères mieux que d'autres. Ah. C'est tellement pas juste. La team nous vengera. Et ta sœur, arrête. Tu peux soigner mes Pokémon, s'il te plaît? Non mais, non, soigne-moi mes Pokémon.
Les Pokémon. Ah c'est bon, ils sont soignés. Parfait. Gigouan, tac, tac, ok, ok, stylé. Ouais. Attends, il y a un truc qui brillote là-bas, non? Ok, non. Oh, Tourbissable, c'est bien ça. Bonne attaque pour un Pokémon seul. Allez, tourne, 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 tourne. J'ai pas envie du tout de t'affronter. Toi non plus. Non mais... Ça marche vraiment bien leur piège. Hein. Bon allez, on va le tuer, comme ça c'est fait. Vendetta, très bien. Ouais, il fait des dégâts lui, hein. Yes. Voilà, ils sont tous contents. Ah bah tiens, Nabil, il est là. Ah, Sinistrel. Ah, c'est le fameux. Timiel, merci pour votre contribution à mon entraînement. J'apprécie vos efforts. Mais... Je ne vous reprenne... Que je ne vois plus dans son travail. On voulait pas le déranger, on voulait l'encourager. Bon, la Timiel sait reconnaître quand elle est vaincue. Allez hop, on remballe. Ok. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. Vago! C'est Kavo! Comment il les a incendiés? Pas pour rien que c'est le Pokémon de type... Oh, parfait. pardon, je suis en plein entraînement, je mets un point d'honneur à offrir un combat à... Ok. La mine de galère numéro 2 regorge de Pokémon O. Un véritable défi pour mon équipe de type feu, c'est vrai. La route pour mourir? Dans ce cas, continuez. Allez vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo et relever le défi des arènes au plaisir. Allez, ça marche. On a combien? 15, ok. Allez, on va avancer un tout petit peu plus, on va sortir de la mine et après on arrêtera l'épisode ici. Que plein de challengers abandonnent parce qu'il n'arrive pas à le... Ah ouais, à ce point. Bah, TKT mon bro, j'ai Pokémon aquatique dans mon équipe. Ça j'ai. Le Vagomine de tout à l'heure devait être un Pokémon service, tu sais ce que c'est? Non. Ah, tu sais pas, attends, je vais t'expliquer. En gros, il y a des gens qui recrutent des Pokémon pour accomplir des missions, et il paraît qu'on peut leur prêter les nôtres. Ok. Stylé. Par contre, moi, j'ai... Wouah. Ah, il y a un Bibichou. Noir, Fang et tout, c'est trop stylé. Carte. Alors, attends, les reliques, c'est où? Kickenham, ok putain c'est loin. Mais c'est ultra loin. Non, je m'attendais à ce que ce soit à côté. Merde. J'avais pas trop envie. Clémence, la mondaine veut se battre. Allez, vole tout, à toi de jouer. Ok, stylé. Un rosard. Essayer de mettre un Pokémon qui ne sait pas défoncer quoi. Allez, go! Lilion! Il a fait hurlement là, j'ai pas rêvé. Il va m'en renvoyer. Ah. Ouh, c'est pire. J'avais oublié que j'avais ce Pokémon dans mon équipe. Mais il est inutile en plus, hurlement. Ah oui, voilà, allez. Il sait faire que ça? C'est Bleuzaï? Ah, Lignon, parfait. Tranche nuit. Lignon, c'est un meilleur chien que toi. Il va faire hurlement? Ah bah oui.
Bon, sauf que là, même peu importe lequel tu envoies, en fait, il te le bute, quoi, le Pokémon, il attaque plus vite que toi, donc à partir de ce moment-là, coup bas, et puis voilà. Ah, d'accord, très bien. Mais c'est une blague. Étincelle, ok. Ah bon, ouais, électrique, quoi. Plante, dragon. Étincelle à nouveau, ok. Il a décidé de se battre du coup, incroyable. Et c'est Hutt qui va le tuer, quoi. Incroyable. Incroyable. Rhinolove, changer de Pokémon. Ah, Rosar, à toi de jouer. J'espère que lui il a pas hurlement par contre, ça va être chiant. Allez. Et en plus il est psy, je crois. Ok. Viro à quoi? Psy rush? Vol? Psy vol? Je sais plus. Il à quoi? Il est pas rush. Coup bas. Voilà. J'ai douté, c'est pour ça. Yes, Bleuzeil 27, Arrosar 28, Hutt 21, Beto 25 et Lignon 25 aussi. Putain, incroyable. Pauvre de moi, je constate que tu dis pas. Bah. Eh, ça fait presque. Bientôt je vais dire, ça fait 20 ans que je joue au jeu quoi, donc. Ne la pète pas trop. Écoutez les petits potes, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On va le clôturer ici du coup. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Peace. Ciao tout le monde.